à la Galerie Heights, les musées de la ville de Strasbourg exposent leurs 27 œuvres MNR. Donc pendant une longue période, plusieurs mois, les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois pourront prendre connaissance du corpus d'œuvres siglées MNR dont les musées de Strasbourg ont aujourd'hui la garde. Alors, qu'est-ce qu'une œuvre MNR ? Une œuvre MNR, c'est d'abord un sigle, Musées Nationaux Récupération. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées ont récupéré, principalement en Allemagne, plusieurs dizaines de milliers d'œuvres d'art, ainsi que des objets d'art. Ces œuvres d'art ont été rapatriées ensuite en France, et ce qu'il faut savoir, c'est que nombre d'entre elles appartenaient à des personnes de confession juive spoliées par les nazis. Aujourd'hui, il reste dans les musées de France environ 2200 œuvres MNR qui sont toujours en attente de leurs propriétaires, qui sont toujours avec en tout cas un propriétaire que l'on ne parvient pas aujourd'hui à identifier. Ces œuvres MNR ont un statut très particulier. Un statut juridique particulier, elles posent des questions au niveau de leur qualification, au niveau de leur régime, au niveau de leur histoire, de leur devenir, de leur parcours. Elles posent aussi beaucoup de questions sur le plan historique, et c'est pour cette raison que les musées de la ville de Strasbourg ont décidé de les exposer à la Galerie Heights. C'est un vrai devoir que d'exposer les œuvres MNR, et les musées de la ville de Strasbourg, en facilitant cette exposition, vont permettre aux recherches en provenance de se poursuivre et vont permettre peut-être, le cas échéant, la restitution de ces œuvres qui sont aujourd'hui considérées comme MNR. Les œuvres exposées à la Galerie Heights proviennent de quatre des musées de la ville de Strasbourg, le musée d'art moderne et contemporain, le musée des arts décoratifs, le musée des beaux-arts et le musée de l'œuvre Notre-Dame. Enfin, les musées de la ville de Strasbourg s'associent avec l'Université de Strasbourg pour organiser un symposium international réunissant les plus grands spécialistes de ces disciplines pour réfléchir sur les questions juridiques, les questions historiques que posent les œuvres MNR. Pour terminer, l'exposition sera accompagnée d'une programmation culturelle avec différents événements que vous pouvez retrouver sur le site internet des musées de la ville.